Hé, hey, vous, Teresa vous fixe rendez-vous à la demeure Gray. J'espère que ça va, monsieur. Ouais, bon, c'est pas mal débrouillé. Il a dû s'occuper de Whisper. Oui, il faut avouer qu'il était très impressionnant. Je pourrais vénérer un J'étais tout seulement là. Quelle magnifique idée vous avez là. Oui. Ouais. Bravo. Déjà vu ça. Bravo. Votre talent n'est plus à prouver. Ravi de vous servir. Même article, échoppe et prix différents. Hey! Ah! Vous, chasse-poulet, je vous croyais plus grand.
Votre sœur attend de vous rencontrer à la demeure Gray, près de Barrowfields. Désolé. Veuillez respecter la loi en ces lieux. Chasse poulet. Ton talent n'est plus approuvé. J'aimerais être un héros. Ton talent n'est plus approuvé. Déjà vécu ça. J'en aurai un aussi, un jour. Salut, à vous. Je vous souhaite... Oui. Une bonne âme. Oui. Les pères. C'est une tête lourde. J'ai déjà... Le domaine. Quel magnifique objet. Ben, je me sens mal. Chasse-poulet. On a tout. Ravi de vous servir. Cette taverne, on vous dépouille là-dedans. Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous, monsieur. Thank you.
Les tarifs varient entre les magasins, je ne sais pas pourquoi. Mon maître, comme je suis. N'enfreignez pas la loi. Bonjour. Oh, bien sûr. Vous êtes assez célèbre pour entrer. Vous n'allez pas me parler ? Alors, vous êtes celui dont tout le monde parle ? Je dois avouer que vous m'intriguez. M'accompagnerez-vous dans la cour ? J'aimerais tellement vous parler. Quel bel endroit, n'est-ce pas ? Mais j'ai parfois l'impression que c'est l'endroit le plus isolé au monde. Voyez-vous, je n'ai jamais été mariée. Je n'ai jamais trouvé d'homme vraiment digne. J'ai toujours pensé que seul un champion d'arène serait réellement digne de moi. Vous pourriez m'apporter un présent, non? Je suis sûre que vous trouverez un cadeau convenable pour une dame. Vous ne pouvez pas me donner quelque chose que vous n'avez pas. Je me demande si vous n'êtes pas un menteur. Merci. Vous ne pouvez pas me donner quelque chose que vous n'avez pas. Je me demande si vous n'êtes pas un menteur. Et mon cadeau? Je pensais que vous m'offririez un présent digne de moi. Vous ne pouvez pas me donner quelque chose que vous n'avez pas. Je me demande si vous n'êtes pas un menteur. Je vous demande pardon? Je vous demande pardon.
bon séjour à vous. Chasse-poulet. Puis-je vous renseigner sur quoi que ce soit? Ravi de vous servir. Certains s'enrichissent en faisant des échanges, une échappe à l'autre. Ah, j'ai entendu parler de vous. Ah, bonjour. Salutations. Salutations. Je parie qu'elle vous a envoyé chercher ses cadeaux, hein. En tout cas, si vous voulez l'impressionner, il faut lui offrir une rose noire. Elle aime vraiment ses fleurs. Et c'est bien la seule, d'ailleurs. Moi, je les trouve plutôt glauques. N'enfreignez pas la loi. Bon sang, je ferais bien de lui faire preuve de respect. Bonne journée à vous, monsieur. Alors, c'est vous, Chasse-poulet ? Je vous croyais plus grand. À lui. Oh, c'est magnifique. Je savais que vous aviez une âme romantique, pas comme d'autres. Bien entendu, une femme de mon rang ne peut épouser un homme pauvre. La moindre des choses, c'est d'épouser un homme qui possède sa propre maison. C'est Lady Grey. Vous n'avez pas de maison? Qu'êtes-vous, un vagabond? Je me sens proche de Lady Grey. Vous n'avez pas de maison? Qu'êtes-vous, un vagabond? Ah, j'ai entendu parler. N'enfreignez pas la loi. Elle est très exigeante, non? C'est ça, les riches. Plus ils en ont, plus ils en veulent. Vous n'avez pas encore de maison? Économisez! Lady Grey ne vous regardera pas deux fois si vous n'avez pas de maison. Mais c'est valable pour toutes les femmes d'Albion, je crois. On ne peut pas se marier sans domicile conjugal.